Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière conférence du jour du Salon RH, mais qui va continuer toute la semaine. Donc un petit briefing technique avant de commencer. Donc vous avez l'onglet Converser ou Chat où vous pouvez échanger avec tous les participants et les conférenciers. N'hésitez pas à l'utiliser, pensez bien à cliquer sur le petit bouton bleu et basculer de conférencier à conférencier et participant. Et ensuite, vous avez également l'onglet Questions-réponses ou Q&R sur votre barre de menu. N'hésitez pas également à l'utiliser, posez vos questions, ce sera plus facile donc pour Manuel qui va faire le traitement et les poser à Jérôme durant cette conférence. Vous pouvez également commenter ou voter pour celles qui vous semblent les plus intéressantes, compléter donc les questions des autres participants. N'hésitez pas à en user, à l'utiliser dès le début de la conférence et à son prise donc en cours de route. En tout cas, bienvenue Manuel et bienvenue Jérôme. Vous avez l'honneur donc de terminer cette première journée et donc la parole est à vous. Merci beaucoup, Benoît. Bon, je démarre en tout cas d'abord en remerciant infiniment Jérôme, qui est basé à Düsseldorf, d'avoir accepté de participer à Salon RH. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et ce que je vous propose pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est de plutôt que de vous faire une présentation en détail de Jérôme, c'est de le laisser se présenter. Vous allez voir qu'il a peut-être de nous redonner en tout cas ta fonction et puis de nous présenter un peu ton parcours qui est d'une richesse, une richesse notamment internationale que je trouve assez hors du commun. Et donc je te laisse la parole, Jérôme. Écoute, si tu le dis, je l'accepte. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Donc, Jérôme Grillet, moi, je suis en charge de ce qu'on appelle le Global Talent Acquisition pour Metro. Donc, je m'occupe du recrutement, pour faire simple, sur le scope mondial, donc 35 pays, une centaine de milliers de collaborateurs. D'accord. Et tu nous parles un petit peu de ton parcours, alors du coup, Ouais, alors. tes différentes expériences. Je ne sais pas s'il est commun, classique, pas classique, mais en tout cas, d'abord, j'appartiens à la catégorie senior. Je te confirme, pas classique. D'accord. Bon, en fait, il est assez simple. Hein, j'ai connu, on va dire, trois employeurs. Un qui était une ambassade, donc je travaillais en ambassade, et c'était le début de l'internationalisation de mon parcours, puisque je travaillais en Union soviétique, donc ça vous resitue un peu peut-être mon âge. J'ai ensuite travaillé dans le conseil, dans une agence de conseil en développement RH, formation, très typée formation. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années où j'ai conçu ou fait concevoir des programmes de formation sur mesure pour des grands groupes. Ce qui m'a amené, ces grands groupes issus de la distribution notamment, ce qui m'a amené chez Metro en fait, puisque j'étais recruté par un client, pour établir la première Corporate University. C'était en 2003 et depuis, Metro a un peu été mon agence de voyage puisque j'ai effectivement travaillé d'abord en Allemagne, puis je suis parti en Chine pendant 2 années, je suis ensuite enchaîné sur l'Inde. Sur ces deux expériences, je m'occupais en fait du développement RH pour la région Asie. Puis j'ai quitté les HR, donc je suis arrivé dans le business, qui est une étape que je préconise souvent en fait. Donc j'ai dirigé nos magasins au Japon, puisqu'on a 9 magasins à Tokyo. J'ai aussi créé une force de vente, puisque c'est un business dans lequel on fait du B2B, donc on a besoin de commerciaux. Puis ensuite, je suis revenu en Allemagne au corporate pendant quelques années. Puis j'ai atterri pour la première fois chez Metro en France, parce que j'avais jamais travaillé pour Metro en France. Pendant 5 ans, je me suis occupé des sujets assez classiques de marque employeur, diversité, recrutement, gestion des talents, qu'est-ce que j'ai oublié, communication interne. Enfin bref, la partie sympa des RH. J'espère qu'il n'y a pas trop de RH opérationnel ici. C'est une partie que j'aime bien. Et puis pour enfin prendre cette fonction depuis le mois de janvier, au global, sur le talent acquisition, donc ça couvre, alors c'est assez classique, hein, les sujets de marque employeur, de recrutement et de onboarding, intégration. Merci Jérôme. Alors, question que nous n'avons pas préparée. Qu'est-ce qui, dans ton parcours complètement international, te sert toujours aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui te sert le plus? Qu'est-ce qui te Alors. dans ton métier d'aujourd'hui? C'est vrai que ça donne un peu de crédibilité puisque quand vous travaillez sur un poste global, si vous n'avez travaillé que dans une structure de corporate de siège, vous pouvez être regardé par les pays comme quelqu'un qui comprend rien à ce qui se passe localement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir eu des responsabilités pays, parfois région, en Asie c'était régional en partie, avant le Japon, 2 fois, 3 fois au corporate, ça, je pense que ça m'a beaucoup servi en termes de crédibilité.
au-delà de tout ce que j'ai appris. Et ça reste important dans nos métiers, hein, où on se fait vachement challenger. Les gens ne sont jamais contents, en fait, en général. Donc, si en plus vous êtes challengé sur votre connaissance, vos compétences, ça commence à faire un peu beaucoup. Et ça m'a apporté, je pense, j'ai un tempérament assez dynamique, enthousiaste, un peu émotionnel parfois. Et le passage à l'international, ça vous apprend pas mal de choses sur vous. Je n'ai pas de leçons interculturelles à donner. En revanche, la seule que je donne souvent, c'est essayer de bien se connaître soi-même. Ça permet d'anticiper un tas de problèmes dans une dimension interculturelle quand on connaît ses qualités, qui sont parfois des défauts d'ailleurs. Voilà, donc j'ai beaucoup appris à prendre sur moi, être un peu plus patient et puis être conscient de l'impact que je pouvais avoir sur les gens, même si et je suis pas un penseur des compétences interculturelles, mais je pense qu'il y a parfois autant de différence entre deux collaborateurs japonais qu'il peut y en avoir entre un japonais et un français. On ne peut pas non plus aussi se prendre trop la tête sur les réflexions interculturelles. En fait, ça se passe souvent. Si on a les qualités pour ça, normalement, ça se passe bien. D'accord. Dans l'humilité, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous décrire le contenu de ton métier? C'est quoi ton métier aujourd'hui, ouais, dans la gestion des talents pour un groupe mondial? À quoi ça correspond? Ouais. Voilà. Alors, je vais vous donner la vérité d'aujourd'hui, hein, parce que c'est un poste que j'ai découvert. Alors, je me sens bien sur non pas la gestion des talents en général, mais vraiment le recrutement, en tout cas l'acquisition des talents. En fait, ça a deux grandes dimensions. Les dimensions, alors, pour certains qui seraient peut-être dans des grandes organisations, on utilise souvent le mot centre d'excellence, centre d'expertise. Donc, c'est à la fois être la personne qui fait évoluer les pratiques dans les pays sur ces trois sujets qui sont la marque employeur, le recrutement et l'intégration. Donc, il y a un job un peu conceptuel et puis voilà, de faire évoluer les pratiques. Et puis, un côté très production qui peut se rapprocher d'ailleurs à la réalité d'un pays, puisque bah, je dirige des équipes qui s'occupent du recrutement exécutif. On recrute mondialement, donc on fait du recrutement, hein, basiquement. Et j'ai aussi la particularité dans le setup de mon rôle de aussi m'occuper, au-delà du recrutement du siège mondial, de m'occuper du recrutement du pays Allemagne. Ce qui est vachement intéressant, alors c'est assez particulier. Ce n'est pas au départ ce que j'adore le plus, hein, dans mon job, mais ça permet d'être toujours en contact avec un pays, puisque mes équipes travaillent pour... selon leur profil, à la fois pour l'international, pour le siège, mais aussi pour le pays Allemagne. J'ai été en charge du recrutement en France, bah, c'est un peu le pendant. Donc, c'est un setup un peu original, puisqu'il y a le côté centre d'expertise, centre d'excellence, il y a un côté très production, alors, qui vient surtout sur les exécutives, il y a aussi un côté production très lié au fait qu'on ait une espèce de centre de service partagé pour le pays Allemagne, donc pour Métro et ses magasins en Allemagne. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette fonction métier sur le pays Allemagne, ça te permet de ne pas être du tout déconnecté de ces métiers, parce que parfois, ce qu'on peut reprocher au corporate, c'est d'être assez déconnecté de la réalité du terrain, ce que tu ne vis pas du tout au quotidien. Non, alors je ne le vis pas au niveau exécutif, parce que de toute façon, c'est du très concret et je me fais challenger au quotidien. Et je ne le vis pas effectivement au niveau… En tout cas, mes équipes ne le vivent pas au niveau au pays, puisqu'elles travaillent très proche du pays. Avec un piège, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de collaborateurs allemands dans la pièce, mais avec un des pièges, c'est que l'Allemagne n'est pas le pays le plus facile pour faire bouger les lignes. Et du coup, il ne faut pas aussi que je surestime, enfin, et ça, j'en ai fait l'expérience par le passé. Donc, l'Allemagne n'est pas non plus mon cobaye permanent, puisque, et on en avait parlé, je pense, Manuel, sur des sujets liés au système d'information. Je suis quand même tenté de faire des pilotes ou des tests ou des proof of concept ailleurs qu'en Allemagne, parce que l'Allemagne est aussi un pays difficile. Donc, ouais, c'est un avantage. Je suis proche de la réalité du quotidien et on peut aussi voir l'impact de nos décisions. En même temps, il faut que je fasse attention. L'Allemagne, c'est un des pays du groupe. Ça n'est pas la seule entité pour laquelle je travaille. OK, merci Jérôme. Alors, est-ce que tu peux nous dans l'acquisition des parlants, des talents, pardon, est-ce qu'il y a des particularités suivant les pays? Est-ce que ça se fait exactement de la même manière partout? Quand on gère un centre mondial comme le tien, comment on fait, comment on s'en occupe, qu'est-ce qui est très différent d'un pays à un autre, ou est-ce qu'on recrute partout dans le monde de la même manière? Alors, je ne suis pas un grand fanat de l'harmonisation à tout craint des process. Souvent, on fantasme un peu là-dessus, parce que je sais très bien que même au niveau d'un pays, parfois, sur des populations qui se ressemblent, on a des processus, des étapes qui sont bien différentes. Donc, mon propos est plus sur en fait, ce que je note, c'est qu'en fonction des structures qu'on a établies sur ces sujets-là, des moyens qu'on a mis,
on a des processus qui peuvent être très différents, une performance qui est très différente. Donc, je note pas, et encore une fois, j'ai pas fait de recrutement dans X pays dans mon histoire parce que je faisais autre chose. Mais moi, je ne note pas de différence globale. On vient de mener une étude sur nos pays, sur leurs pratiques, sur leurs moyens, sur les job boards qu'ils utilisent, sur les challenges qu'ils vivent, sur les postes qui sont les plus difficiles à recruter. J'ai trouvé quand même beaucoup de points communs. Donc, bien sûr, culturellement, on ne traite pas un candidat japonais comme on traite un candidat français, certainement. Donc, il y a une différence, évidemment. Mais en revanche, sur le basique du métier, sur les enjeux qu'on a aujourd'hui, recruter un collaborateur de magasin en Serbie ou en Espagne, finalement, je me rends compte, au-delà de la marque employeur qui peut être très différente et de la valeur ajoutée qu'on a sur le marché de l'emploi qui peut être très différente, le reste est assez similaire. Donc, c'est souvent sur le sujet marque employeur en fait, que se fait la différence. Parce que si vous êtes super… j'ai la prétention de dire qu'en France, on est quand même un employeur de choix, même si on fait du B2B, même si on n'est pas connu, même si on est souvent associé à la grande distribution, ce qu'on n'est pas, on a quand même beaucoup d'atouts à faire valoir. C'est sûr que sur des marchés, on n'est pas le leader, on n'est pas établi depuis 50 ans comme en France, on n'a pas les mêmes atouts. Donc, c'est plutôt dans la manière dont on doit vendre l'entreprise que le métier change. Et je sais pas, je pense que s'il y a des gens de recrutement dans la salle, on sait que de plus en plus le job de nos recruteurs, c'est de vendre en fait. Hein. C'est pas simplement de sélectionner, c'est de plus en plus de vendre. Bah, c'est encore plus vrai dans des marchés où on n'est pas connu et où on n'a pas fait l'effort de cette démarche de marque employeur, d'activation de la marque, d'employee value proposition, etc. etc. Donc, je vois surtout une différence sur les marchés, sur les setups qu'on a dans les pays en termes de moyens. Et souvent, moi, j'ai constaté quand même qu'en recrutement, même si tous nos dirigeants sont conscients qu'il va falloir se battre, il faut gagner la guerre des talents, l'intendance ne suit pas toujours si on n'a pas à la tête des équipes des gens qui montrent un peu les muscles. Oui, et donc du coup, ça me fait en tout cas partager une conviction qu'on a fort, nous, chez Badka, hein, qui est le fait de dire qu'il faut que les RH aient un véritable pouvoir, justement sur cette notion de marque employeur que tu évoques à l'instant, justement pour pouvoir défendre et valoriser la marque employeur comme elle se doit et pour être performant et recruter les bons talents. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis puisque dans la fameuse étude qu'on a fait, en fait, on a approché nos pays sur ces différents sujets. On a fait une étude questionnaire à distance, puis on a fait une campagne de callback, etc. Et en fait, je me suis rendu compte sur ces sujets marque employeur, on avait un bon 40% de mes pays où le sujet est dans les mains de la communication corporate ou du marketing. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, je vais pas gagner sur tous les fronts tout le temps, mais je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il peut y avoir un compromis où, voilà, le HR est dans le siège, dans le driver's seat, et puis il travaille en toute intelligence avec la com. Mais moi, il est hors de question de laisser faire, prendre l'initiative de la marque employeur par la com tout seul. Enfin, ça, pour moi, c'est un non-sens. Oui, mais et alors pour aller dans ton sens, Mathilde Côte, la DRH de Mazars que j'interviewais juste avant toi, nous disait exactement la même chose, que l'importance qu'allait avoir justement, notamment cette partie marketing, quand on dit marketing, marque employeur, probablement dans les années à venir, et que si c'était en dehors du spectre des ressources humaines, probablement que ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais, vous imaginez, tu imagines ce point-là dans une structure corporate qui est déjà complexe par essence. Là, c'est ce que je vis un petit peu en reprenant ce job, même si je pense que je vais pouvoir avoir la main. J'interagis avec la marque, donc on a une direction de la marque. J'interagis avec la communication corporate, donc qui fait. J'interagis avec alors heureusement, la communication interne que moi j'avais quand j'étais dans un pays, elle appartient quand même à la DRH, donc. Mais il y a déjà des multiples acteurs. Donc voilà, au niveau corporate, c'est compliqué si on n'arrive pas à s'affirmer comme détenteur du sujet. Même si, bien sûr, dans nos organisations, on est toujours en cross-functional. Vous n'êtes pas un mec qui décide de tout. Vous devez gérer des interdépendances, etc. Mais il faut au moins que le point de départ soit sain. On se dit, c'est bien un sujet RH, talent acquisition. Bon, et encore plus demain, c'est sûr qu'on doit, nous, tu parlais des compétences de demain, des équipes, on doit acquérir ces réflexes marketing. Bien sûr, on doit être digitaux. Et moi, je pense faire venir des compétences du e-commerce, en fait, chez nous, puisque on se rend compte que la manière de recruter, l'expérience candidat, finalement, c'est les mêmes leviers. Et je pense que le e-commerce a un peu d'avance sur nos fonctions. Hein. Oui. Donc, je sais pas, les profils vont évoluer. Peut-être que ça créera des ponts beaucoup plus évidents, parce que, effectivement,
je serais aujourd'hui à la marque ou à la communication corporate, je serais un peu inquiet quand je vois le profil de RH classique, un peu inquiet de confier le bébé directement. Donc, il y a peut-être des phases de transition où il faut convaincre l'organisation. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser faire sans être super impliqué. Et je disais, 40% de nos pays ont laissé la main, par exemple, aujourd'hui. Oui. Avec des bonnes raisons, parfois faute de moyens. Vous êtes un petit pays, vous avez autre chose à faire. La marque employeur, vous n'avez pas une personne qui travaille à temps plein là-dessus, donc vous êtes bien content quand on vient vous aider. Bien sûr. C'est plutôt une façon de collaborer en fait, qu'il faut mettre en place. Et oui, mais d'ailleurs, ça rejoint sur le fait quand tu dis capacité à convaincre en interne pour aller développer la marque employeur et capacité à séduire, ce qui revient à peu près au même, les candidats sur les différents marchés qui font appel à peu près aux mêmes qualités, là où les RH, probablement, ont vraiment un enjeu assez fort maintenant et probablement encore plus dans les mois et années à venir. Bien sûr. Jérôme, pour continuer, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier? Tu m'avais cité quand on avait préparé notamment la transformation de l'image. Vous allez dire que je suis un peu picouzé, mais trop, mais je trouve qu'on est une super boîte, on est sous-estimé sur la plupart des marchés parce que, comme je disais tout à l'heure, comme on est B2B, on n'est pas toujours visible. Hein, en France, bon, certains d'entre nous ou deux d'entre vous êtes déjà rentrés dans un magasin métro, mais certainement il y a longtemps, parce que vos parents étaient, je sais pas, chefs d'entreprise, commerçants, restaurateurs. La boîte a quand même beaucoup changé. On est souvent assimilé, à juste titre, hein, à la grande distribution. C'est pas le même métier. Hein. Nous, on n'a pas des milliers de clients qui viennent chaque jour dans le magasin avec cette tension permanente, agressive. Voilà, c'est plus cool chez nous, c'est plus sympa, c'est plus personnalisé. Et puis, je ne peux pas le dire dans tous les pays, mais quand vous êtes un leader d'un marché, hein, en France, on est le numéro un incontestable du service des restaurateurs au sens large, notamment des restaurateurs indépendants, puisque c'est notre raison d'être. Voilà, on est super boîte, super valeur. Donc, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est de changer partout où je peux, en fait, dans le monde. C'est notre image en tant qu'employeur, parce que je pense qu'on est un super employeur, tout simplement. Oui. Alors, on a plein de défauts, comme toutes les entreprises, hein, mais je pense qu'on a beaucoup d'atouts et ils ne sont pas valorisés assez. Donc, ça, c'est un truc qui m'anime. Puis la deuxième chose qui m'anime fortement, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, c'est de donner du muscle à nos équipes recrutement pays. Parce que les HR, souvent, alors je ne dis pas qu'on est laissé pour compte, mais bon, on est souvent, il faut se battre pour obtenir le budget. Ce marché-là, c'est un marché inflationniste. Moi, je dis tout le temps à nos dirigeants, recruter l'année prochaine, ça coûtera plus cher que cette année à périmètre constant. Voilà, c'est plus compliqué, c'est plus challengeant. La techno, ça demande de l'argent. Il faut se former aussi, il faut faire venir des nouvelles compétences. Je suis en train de recruter un Head of Global Employer Branding, ça coûte cher hein, sur le marché allemand, donc faut payer. Quoi. Oui. Valoriser la marque et donner aussi de la puissance à nos équipes. Bien sûr, au service du business, au final, je veux servir le business. Voilà. Et alors, est-ce que je peux me permettre de citer un exemple que tu m'avais évoqué justement sur la répartition des budgets aussi, parce que évidemment, ça coûte plus cher, mais aussi. Je sais que dans un pays, pour ne pas le nommer, quand tu es arrivé, tu as changé un peu les process et la manière. Oui. Alors, je sais pas, je pense que ce n'est pas la martingale, donc ce n'est pas une règle à appliquer telle quelle partout. Mais moi, une de mes leçons. De manière assez régulière. Hein. En fait, moi, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé en France en fin 2016-2017, c'est que, on avait des équipes très, très courtes, avec peu de moyens. On les écoutait peu, on leur mettait pas mal de pression quand même. Et en même temps, personne n'était capable de me dire combien on dépensait à l'extérieur, notamment dans les cabinets de recrutement. J'ai rien contre les cabinets de recrutement, bien au contraire. Mais au minimum, il faut savoir combien on dépense. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de gouvernance. Donc, j'ai dû passer du temps à la comptabilité. Alors, ce n'est pas toujours fun, mais il faut le faire, pour traquer en fait, les dépenses des années précédentes. Et j'ai trouvé des sommes très, très importantes en fait, qu'on laissait dépenser à nos équipes de direction, à nos managers locaux. Et le deal, ça a été ça. C'est on a telle enveloppe. Donc, à l'époque, j'avais dû citer 650 000 euros, je crois, de frais de cabinet. Et le but, c'était de reprendre une partie de ce gâteau en le gouvernant mieux pour pouvoir investir sur, parfois, c'est juste des postes. Hein, c'est simplement payer des salaires à des équipes supplémentaires. Et bien sûr, investir sur la démarche marque employeur, se prendre une agence pour animer nos réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, je pense qu'à budget équivalent, même si je pense que c'est quand même un secteur inflationniste, donc il faut se battre pour obtenir toujours un petit peu plus, non pas pour le fun, mais sinon vous pourrez de moins en moins faire de choses parce que c'est un marché inflationniste, je pense. Ouais. L'idée, c'était de,
de rebalancer un peu ce budget. Et bien sûr, nos dirigeants, nos managers, pour eux, c'est un peu la sécurité de passer par des cabinets. Ça ouvre un peu aussi le parapluie s'ils n'arrivent pas à recruter les bonnes personnes. Voilà, c'est pas... Ils ont tout fait ce qu'il fallait parce qu'ils avaient même des experts du recrutement pour les aider. Mais je pense qu'il faut pouvoir balancer un peu ces approches. Voilà. Et donc, pour le coup, de prendre une partie de ce budget pour l'innovation RH, j'ai envie de dire en règle générale, ce qui n'est pas toujours possible en tout cas. Non, alors sachant que sur ces sujets-là, bien sûr, enfin, je considère qu'on est plutôt des followers que des pionniers sur tous ces sujets-là. Donc moi, je n'ai pas la prétention, je n'ai pas les moyens d'être l'endroit où on va innover le plus, où on va faire des POC dans tous les coins. Il y a des grosses organisations en France qui sont vachement inspirantes parce qu'elles ont des équipes de dingue qui peuvent travailler que sur l'innovation RH. Il faut que je sois raisonnable, mais il ne faut pas que je loupe le pli. Donc c'était important de tester des choses en fait dans tous les sens. Bon, sans oublier aussi d'être un peu smart, hein, c'est-à-dire de benchmarker le plus possible, de trouver des copains sur le marché, contenter des choses, de copier tout simplement. Mais bon, avoir des moyens pour investir, tester les chats, je pense qu'on va reparler un peu de l'automatisation du recrutement, mais voilà, tester le recours à des chatbots pour faciliter, sourcer plus rapidement, plus massivement, présélectionner des candidats, c'est important de le faire. Et donc, on ne sait jamais si on a raison, si on va réussir. Moi, j'ai vécu des semi-succès ou semi-échecs, comme on dit. Mais sans le faire, on ne peut pas le savoir. Oui, bien sûr. Il faut se laisser un peu de temps et d'argent pour l'innovation, bien sûr. Pour l'innovation. Alors, question un peu qui a trait au Covid. Hein, on en sort juste maintenant, et je te l'avais posé. C'est quoi l'impact du Covid, en tout cas, sur ce que tu perçois et sur les transformations qui vont s'opérer dans les mois et années à venir? Alors, j'ai peur de défoncer les portes ouvertes hein, sur le fait que finalement, on a réussi enfin à convaincre une partie de nos gens en interne, notamment de nos managers qui recrutent, qu'on pouvait faire des entretiens à distance. Alors, sans être totalement radical en disant c'est la même chose et après le Covid, passons 100% digital. Ça nous a quand même permis de franchir une étape, et notamment des sauts quantiques hein, sur des managers qui n'acceptaient pas nos façons de recruter, par exemple, en se disant « Non, moi, j'ai toujours fait comme ça, je veux voir trois fois le candidat, je vais passer un entretien de 3 heures, je vais lui faire le test de personnalité qui va bien. » Voilà. Donc, il y avait beaucoup de sujets à faire évoluer pour sortir un peu des pratiques du passé, en fait. Hein. Et l'entretien long physique, on était… Et moi, je préfère à la limite… multiplier les entretiens avec différentes personnes, des latéraux de managers qui recrutent pour qu'ils aient vraiment une compréhension à 360 de là où vont mettre les pieds. Et ça, le format digital le permet, parce que autant pour le candidat que pour les équipes qui organisent que pour les managers, consacrer 20 minutes, c'est facile en fait. Organiser 20 minutes avec un latéral du manager qui recrute pour avoir plus de sécurité pour le candidat, pour lui vendre mieux le poste, bah, c'est pas possible de le faire quand on doit convoquer le candidat, le recevoir, enfin, ça prend trop de temps. Donc, à la fois, ça a convaincu tout le monde que le digital, ça le faisait, et en même temps, ça nous a ouvert plein de portes pour ne pas trop alourdir les processus de recrutement, mais à la fois aussi prendre pas mal de sécurité. Bon, ça, c'est un élément, moi, que j'ai découvert. Bon, ensuite, ça dépend des pays. On a des pays où, finalement, la pression de recrutement s'est jamais arrêtée. En France, les volumes de recrutement ont été aussi intenses l'année dernière que cette année, quasiment, hein. Parce qu'on préparait la relance, parce qu'aussi on était une boîte en transformation, donc de toute façon on devait faire entrer du sang neuf sur des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qu'on n'avait pas. Il y a des pays où effectivement les gens étaient prudents et donc la machine s'est un peu calmée. Ça a eu un impact. Alors pour autant, on n'a pas forcément toujours profité pour faire accélérer les projets. C'est ça qui est un peu dommage. Après, moi, j'ai des expériences très récentes là, ce débat entre est-ce qu'on apprend plus d'un candidat en physique qu'en digital. Je peux dire dans certains cas oui, qu'il y a des choses, nous qui sommes très dans une culture très de la proximité, de la convivialité, on aime bien les gens assez opérationnels finalement, hein, qui peuvent mettre les mains dans le cambouis. On a vécu quelques échecs hein, de recrutement exécutif, enfin, quelques-uns hein, sur les doigts de la main, mais où on s'est rendu compte pourtant. Notre process, il est génial. On n'avait que des feux verts partout. Là, finalement, ça ne l'a pas fait. Parce qu'une chose qu'on aurait pu détecter en allant déjeuner avec la personne, prendre un café sur la façon dont il… Pour le coup, c'était un financier, un directeur financier d'un pays. Si on l'avait emmené boire un café dans le pays ou en Allemagne ou ailleurs, chez un client, on se serait rendu compte de l'intérêt manifesté pour
les opérations quotidiennes, sur la relation qu'on a avec nos clients au quotidien, on l'aurait détecté tout de suite. Ça, on ne l'avait pas détecté parce que on aurait certainement pu le détecter à distance aussi si on avait eu un focus sur le sujet. Donc, j'ai de quelques exemples comme ça où je me suis dit, mince, ce ne serait pas arrivé, ce type d'erreur de casting, quelque part, si on l'avait fait comme on l'aurait fait naturellement sans la situation Covid. C'est-à-dire en couplant la visio et l'entretien en physique. Ouais, et l'entretien en physique, surtout pas pour faire plaisir à chacun en disant ah, c'est mieux de voir les personnes avec qui on va travailler, mais plus pour mettre dans des situations. Je parlais de cette situation assez classique pour nous, un monde de la restauration. C'est soit vous allez faire un tour dans le magasin, en fait, pour voir comment les gens réagissent, soit vous allez déjeuner, en fait. Parce que c'est à la fois, ça en dit long sur la personne, sur qui elle est, mais en même temps, ça montre son intérêt ou pas sincère pour les business pour lesquels on travaille, en fait. Ouais. Merci, Jérôme. Alors, autre question qui évidemment a beaucoup d'importance pour nous, ça va être quoi pour toi les nouveaux enjeux, en tout cas de la fonction RH, et notamment dans les années à venir jusqu'en 2025, à ton avis? Waouh. Si je savais, je ferais fortune dans le conseil. Non, mais bon, si on est sur les sujets de recrutement, j'ai peur d'enfoncer des portes ouvertes, mais le sujet de la digitalisation et de l'automatisation, pour moi, est crucial. Je rappelle quand même qu'on recrute à la fois des hôtesses de caisse et des directeurs financiers de filiales qui font plusieurs milliards. Il y a sur des recrutements de masse notamment, mais pas seulement, hein, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est impératif aujourd'hui qu'on automatise tout ce qui peut être automatisé jusqu'à la présélection des candidats, en fait. Et mon rêve est le suivant, notamment pour les populations employés magasins, c'est qu'en fait, on a quelqu'un, alors HRVP ou plutôt Talent Acquisition, qui déclenche la stratégie de sourcing, qui sait sur quel job board poster, qui sait raconter l'histoire à travers ses annonces, etc., avec un site carrière qui marche super bien, etc. Et en même temps, sur ces populations-là, pour moi, tout le screening, notamment quand on recrute surtout sur le fit culturel, les valeurs, etc., les soft skills, tout ce screening, présélection, scoring, test ensuite, s'il faut des tests, des assessments sur la personnalité, sur les convictions de la personne, etc., ça peut être, selon moi, tout automatisé, pour livrer clé en main les quelques bons candidats qui vont bien au recruteur au manager qui recrute, et en lui plaçant directement dans son Outlook ses prises de rendez-vous avec ses collaborateurs. Et donc, aucune touche humaine entre le début et cette étape-là. Ça reste chez nous, métro, un fantasme, mais ce n'est pas un fantasme dans des organisations que je connais, en fait. Oui, tu connais les organisations où cette automatisation est déjà existante et fonctionne. Ouais. Alors, je ne sais pas à quelle échelle elle fonctionne, comment assesser la performance. Il faut toujours avoir du recul, hein, savoir est-ce que les candidats qu'on a finalement recrutés comme ça sont restés, ont délivré, etc. Mais ouais, que ce soit dans la restauration commerciale ou dans la distribution alimentaire, il y a aujourd'hui des initiatives, et pas aux US. Hein. Oui, bien sûr. Parfois, tout simplement en France. J'ai même découvert chez McDonald's aux Antilles. D'accord. Des chatbots qui tournaient et qui fonctionnaient très, très bien. Ils nécessitaient qu'ils soient pilotés par des gens compétents sur ces sujets-là et pas un recruteur classique qui s'improvise un jour sur ces sujets-là. Mais ça doit être dirigé par quelqu'un. Bien sûr. Et il me semble que ça fonctionne, effectivement. Enfin, j'en suis moins convaincu, en tout cas. Et c'est une des visions que j'ai. Donc, sur la digitalisation, l'automatisation, j'en parlais tout à l'heure aussi, il semblerait que les recruteurs, leurs compétences aient besoin d'évoluer. J'évoquais, je pense, tout à l'heure, dans le flot de mes paroles, la nécessité de faire venir des gens qui ont les compétences e-commerce. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, notamment sur les postes plus stratégiques, de faire du talent pooling, donc d'avoir des pools de talents, de les animer, d'avoir des outils CRM pour animer ces pools de talents, ça réclame d'autres compétences. Donc, je pense qu'il y a un gros... pour nous, en tout cas, à Métro, il y a un gros saut à faire vers ça. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, si vous êtes recruteur, si vous n'êtes pas à la fois équipé d'outils digitaux qui vont bien, si vous ne savez pas à la fois être un peu marketeur, e-marketeur, si vous n'êtes pas une bonne personne, enfin, vous n'êtes pas vendeur, ouais, c'est compliqué de faire du recrutement aujourd'hui. Je ne veux pas casser la dimension expérience du recrutement, ses propres façons de procéder. Moi, je suis toujours ébloui. Je suis pas un très bon recruteur, en fait, hein, pour être très honnête. Je connais des très bons recruteurs avec qui je fais des entretiens. À chaque fois, je prends ma leçon. Donc, je pense qu'il y a encore une expertise. Hein, derrière. Je ne dis pas qu'on va... cette expertise, notamment sur des postes très stratégiques, c'est super important d'avoir le soin de bien comprendre les candidats, etc.
mais je pense que quand même, le métier va évoluer, enfin, est en train d'évoluer de toute façon, c'est pas va évoluer, donc est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, on doit vraiment accélérer puisque bah, toutes nos boîtes se transforment. Hein. Nous, on change de business model, on est omnicanal, on vit un peu ce que vit la grande distrib, un peu en décalage. La pression sur le recrutement, elle va pas s'arrêter, ça on le sait. Et puis bon. Pardon, Jérôme, dans les enjeux que tu m'avais évoqués en préparant, tu m'avais parlé aussi, et je trouvais que c'était un sujet que je trouve assez récurrent, de l'éducation des managers au recrutement, justement. Ouais. Oui, oui. Bah, en fait, ça ne contredit pas ce que je viens de dire. Recruter, en tout cas, c'est un peu un métier parfois. Hein. Et donc, ce qu'il faut être clair, c'est… Je ne vais pas te dire le contraire, hein, Jérôme. Voilà. Non, mais ce qu'il faut être clair, c'est quelle est l'approche de recrutement de l'entreprise, en fait, quelles sont nos croyances. Nous, on a écrit nos principes clés, hein, nos principes du recrutement. Alors, ça va sur, par exemple, on recrute surtout maintenant sur le fit culturel, ce qu'on appelle le fit culturel. Donc, c'est est-ce que les personnes rentrent dans la façon dont on fonctionne chez Metro, et de moins en moins sur les hard skills, hein, parce que normalement, si vous avez une équipe de sourcing qui fait bien son métier, on sait aller chercher les gens qui ont les compétences techniques qui vont bien, qui ont vécu les projets qui vont bien. Ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile aujourd'hui, c'est que l'harmonie se crée. Donc, ce que tu veux dire, c'est l'évaluation des savoir-être. C'est d'avoir les savoir-être qui correspondent à la culture de ton entreprise. De ma boîte. Chez nous, on n'arrête pas de… Enfin, chez nous, c'est proximité, convivialité. Bah, c'est sûr qu'il vaut mieux aller chercher les gens, être capable d'aller chercher des gens comme ça. Et comment on fait dans un entretien court pour détecter ça? C'est pas parce que simplement la personne est souriante. Hein. Donc, là, il y a des vrais enjeux ici, je pense. D'accord. Et donc, c'est des ordres. Tu as créé un groupe. Et donc, pour revenir à ma question initiale, et donc, formation des managers en recrutement, qui est souvent je trouve que c'est peu répandu encore aujourd'hui, hein, dans les managers, tout manager confondu. Hein. Là, j'ai eu la chance d'aller faire valider le process de recrutement et les principes du recrutement des exécutifs du groupe, donc tous les membres de COMEX, des pays, les exécutifs du siège, à notre operating board. Donc, c'est le top 10, 12 de l'entreprise. Et ça fait partie de l'éducation. Hein, donc, on s'est réassis sur nos principes, sur la méthode qu'on utilisait, sur le fait qu'on recrutait. Alors, c'est un peu tarte à la crème, mais on recrute pas pour le job, on recrute pour un potentiel pour demain, parce que les jobs, de toute façon, changent dans tous les sens, on se réorganise maintenant tout le temps. Les compétences de demain, bon, c'est pas à la communauté RH que je vais raconter l'histoire, mais vont évoluer. Alors, je fais pas partie de ceux qui pensent que tous les jobs vont disparaître et être remplacés, mais tout ça bouge pas mal, donc c'était important d'éduquer ces gens-là. Et parfois, c'est vraiment eye-opener pour eux, parce que, en fait, quand on a été manager, leader, qu'on a recruté des dizaines de personnes dans son histoire et qu'on a été successful, en général, on pense qu'on fait bien, quoi. Or, c'est un vrai métier. Et moi, le sujet sur lequel j'insiste beaucoup au-delà du fit culturel, c'est aussi préparer vos entretiens, quoi. Et donc, les formations qu'on fait ou qu'on fera, qu'on va déployer, c'est beaucoup sur comment je prépare les questions que j'ai posées à un entretien. Quand on a des étapes de recrutement avec 3-4 étapes, par exemple, sur des postes importants, on ne va pas refaire le parcours du collaborateur à chaque fois, ce n'est pas possible. Donc, beaucoup d'éducation sur voilà, la manière d'aborder ces sujets culturels, notamment. Voilà. D'accord. Est-ce que tu vois des particularités de ton métier par rapport à ton secteur d'activité? Est-ce que il y a des spécificités du métier RH dans ton secteur d'activité par rapport à d'autres? Alors peut-être le turnover, hein, qui est à mon avis… C'est une dimension, quoi qu'il est, il est différent. Hein. C'est sûr que vous êtes en Russie, en Chine, on a revendu la Chine, mais où en France, on n'a pas le même turnover. En turnover, en France, on avait plutôt envie de le stimuler que de… voilà, parce que les gens étaient bien chez nous, donc il fallait un peu le stimuler. Rappelle-moi ta question sur le… Les spécificités du métier RH par rapport au secteur d'activité. Pour moi, ce n'est pas tant le secteur, c'est le fait qu'on a des structures décentralisées. Donc, qui dit structure décentralisée, de toute façon, on ne peut pas recruter en centrale pour tout le monde. Donc, on a affaire à des managers qui sont délocalisés, à des HRBP qui sont délocalisés parfois, enfin, dans la plupart des cas. Donc, je suis plus dans cette problématique de décentralisation. Effectivement, on est plus comparable à, je sais pas, à l'hôtellerie, même à la banque parfois, alors quand la banque avait des agences partout et se développait.
Donc, je pense qu'il y a une spécificité, c'est ça. Puis, il y a une spécificité aussi qui est faut qu'on réponde très rapidement. On a des métiers très opérationnels. Vous n'avez pas vos équipes sur le terrain pour ouvrir les portes du magasin demain ou pour maintenir le site e-commerce. Vous êtes un peu coincé. Donc, je pense que cette industrie, ouais, c'est cette décentralisation. Et puis, le fait qu'on n'ait pas une industrie, on rêve pas de travailler chez un grossiste quand on sort des études ou quand on pense à devenir pompier ou médecin. D'accord. Donc, c'est une spécificité, c'est de, je reviens à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de ouais. vendre, d'être capable de valoriser nos atouts fortement. Voilà. Okay. Après, l'autre élément, c'est au-delà du fait qu'on ait des boîtes décentralisées avec des business units un peu partout, étalées sur le territoire, c'est sûr que tout dépend aussi des organisations RH qu'on met en place. Il y a pas un bon modèle pour les organisations RH. Nous, on avait la chance dans certains de pays d'avoir des HR VP dans toutes nos unités, en fait, dans tous les magasins. Quand vous êtes armé comme ça, vous avez moins tendance à vous dire j'ai besoin d'un centre de services partagé national qui va faire tout le recrutement. Comme ça, on libère complètement les équipes opérationnelles du recrutement. Donc, tout dépend en fait des modèles que vous choisissez. Hein. Ouais. Il y a des modèles où en fait le manager et le recruteur, il fait tout. Hein. Il poste ses annonces sur les job boards et il recrute. Donc, je pense que les spécificités viennent plus du setup de votre organisation en fonction de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Alors, moi, je cherche à l'harmoniser un peu à travers les pays, hein, mais elle peut être très différente. Aujourd'hui, je découvre ce qu'on a fait dans certains pays et par rapport aux pays que je connaissais, parfois, c'est totalement différent. Ouais. Alors, justement, du coup, je rebondis sur ce que tu as une question qui est posée. Est-ce qu'il y a des pratiques d'autres entreprises en termes d'acquisition de talents qui t'inspirent en particulier? Alors, oui. Alors, citer notamment une entreprise française, là, un retailer, on ne penserait pas forcément à eux tout de suite, c'est le groupe Casino et notamment Franprix. Franprix, moi, j'ai quelqu'un que je connais un peu, que je ne vais pas dire que je l'admire, mais c'est quelqu'un qui est très innovant. Et cette histoire d'automatisation des processus de recrutement, je le tiens de lui. Donc, c'est une boîte que j'ai suivie, que j'invite à suivre toujours. C'est des boîtes, alors, je ne sais pas si elles sont très connues en France, mais des logiciens comme Kuhne et Nagel, des Allemands. Ouais. Qui ont fait, mais comme on fait parfois les carrefours, on crée des centres de services partagés sur le recrutement, mais qui sont quasiment mondiaux. C'est-à-dire que c'est comme si moi, demain, je recrutais tous les directeurs de magasins mondialement de Berlin. Voilà. D'accord. J'en suis pas encore là, en fait. Et il se trouve que les barrières, la digitalisation fait que les barrières sont en train de tomber aussi, que demain, je pourrais considérer avoir la même équipe de recrutement pour recruter des profils similaires dans tout le sud de l'Europe. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de boîtes le font déjà. Hein, donc je suis pas. Je suis assez inspiré. Puis ensuite, c'est plutôt côté techno ou côté fournisseur sur nos métiers. Je suis très intéressé aujourd'hui par ce qu'on appelle les plateformes digitales intelligentes de recrutement. Et là, je suis en train de nager dans le méandre des ATS, nouvelle génération, associés avec des solutions qui te permettent de faire des sites carrières très intelligents avec de l'intelligence artificielle et choses comme ça. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut regarder les solutions, notamment qui viennent des US, parce que parfois, c'est oui. un petit coup d'avance. Donc, oui, voilà, je suis aussi des fournisseurs. Ou en Europe aussi. Hein. Mais on a quelques plateformes, pour ne pas la citer, la nôtre. Ah, oui, bien sûr. Non, mais cet écosystème digital, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais il est quand même, quand on n'est pas un nez dedans, il est hyper complexe, moi, je trouve. Oui. Il est hyper dynamique. Les choix d'aujourd'hui ne sont pas forcément gagnants demain. Et dans une boîte décentralisée comme la nôtre où on a 35 pays, essayer d'harmoniser par exemple un ATS unique, j'y crois plus du tout en fait. Oui. Donc là, il y a des vraies vraies prises de tête sur les sujets. Après, faut prendre des paris. Hein, et voilà. Et moi, je suis dans ce compromis. Un peu de centralisation, c'est pas mal hein, parce que ça nous aide à limiter les efforts locaux. Mais d'un autre côté, les projets, dans mon entreprise, en tout cas, les projets mondiaux que j'ai vus sur ces sujets-là. Ne marche jamais en fait. Oui, tu me le disais, vraiment cette notion d'avoir un outil, un ATS qui soit relié avec des purs players du marché, d'ailleurs c'est la grande tendance aux États-Unis, hein, et d'avoir des ATS qui soient très connectables avec les outils les plus performants du marché, chacune sur sa composante. Et là, certains pourraient dire que je prêche pour ma paroisse, mais oui, je le dis. Je pense que c'est effectivement ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans ce qu'on voit dans les différentes entreprises. Alors, Jérôme, je rebondis peut-être sur une autre question, une question de André.
qui nous demande, le référentiel de compétences est-il adossé à des emplois repères? Et si oui, comment intégrez-vous les prospectives métiers? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Oui, oui, c'est une question d'André. Ouais, je ne suis pas capable de répondre très précisément à cette question. Je peux juste donner quelques éléments quand même de compréhension peut-être. Moi, je suis anti-référentiel de compétences, pour la dire simple. Donc, les grosses usines à gaz, de bouquins avec des compétences, avec la description des niveaux, etc., je n'ai jamais vu dans mes organisations des gens qui étaient capables de travailler avec ça. Donc, je suis plus pour les choses très simples, qui sont des compétences plutôt transverses, c'est-à-dire que, certes, sur des métiers, je ne parle pas des compétences métiers, mais sur les compétences métiers, on a des différentiels de compétences avec, effectivement, là, on va travailler, par exemple, les compétences RH métiers. On a travaillé avec des emplois repères, on a pris quelques emplois. Voilà, comme on sait que de toute façon, l'emploi dans un pays va être configuré différemment, c'est plus intéressant d'avoir des emplois repères et des espèces de blocs de compétences pour pouvoir travailler avec, sachant que les pays vont recomposer en fonction de leurs organisations. Donc, si j'ai bien compris la question, oui, des emplois repères. Oui. Après, moi, je suis plus sur notamment tout ce qui est compétences managériales, compétences comportementales, compétences transverses. Je suis plus pour des parties prises à prendre. Alors, pas mondialement, d'ailleurs, plutôt localement, sur là où on en est, sur la transformation qu'on est en train de vivre et sur notamment les transformations culturelles, parce que souvent les transformations culturelles, elles ont un impact sur les comportements qu'on veut voir déployés, les compétences managériales. Là, pour le coup, avoir des repères transverses, pour moi, c'est super important. Donc, je suis plus pour les trucs qui dépassent les métiers, en fait. Quand on parle de comportement transverse, comportemental ou managérial, je pense que plus que les associés à des métiers. Parce que finalement, après, intellectuellement, ça peut être très bien fait, mais on n'arrive pas à les utiliser, en fait. Ça devient trop compliqué. Merci, merci. J'espère que la réponse satisfera André. J'ai un peu improvisé, je ne suis pas certain qu'en me réécoutant, je serais très fier de ma réponse. Ok. Eh bien, écoutez, oui, elle nous dit que oui, donc tu vois. Parfait, Jérôme. Écoute, Jérôme, il est 18h15. On a répondu à l'ensemble des questions. Et donc, du coup, je te propose en tout cas de faire la conclusion, de te remercier vraiment infiniment d'avoir pris le temps et de préparer et d'échanger avec moi sur cette thématique-là. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, évidemment. Merci encore, Jérôme. J'en prie, merci à tous d'avoir écouté. C'est hyper frustrant parce qu'on ne voit pas vos têtes. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'interaction. J'espère que j'aurai apporté 2-3 éclairages sur 2-3 sujets. En tout cas, s'il y a un feedback qui est fait là-dessus, ça m'intéressera de voir. En tout cas, j'en suis sûr, c'était passionnant. Merci encore, Jérôme. Très bonne fin de journée. À bientôt à tous. Merci, Emmanuel, pour l'invitation. À bientôt, Jérôme. Salut. Au revoir.